Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. Vous allez certainement comprendre que l'actualité a beaucoup évolué. Le juge, le résultat finalement sont là. Les juges ont été empoisonnés, mais la grande question, qui en veut au juge? Et surtout, à qui profiterait le crime? On va donc essayer d'analyser le fait, sociologiquement, juridiquement, politiquement, pour essayer de trouver une solution afin d'éclairer l'opinion. La famille du juge n'a pas encore reçu le résultat. Parce qu'il faut le dire, même la société ne sait vraiment pas encore de quelle substance s'agissait-il. Il faudrait en parler encore, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur la sortie médiatique du porte-parole du président de la République qui dit que tous les cas de mort à la présidence seraient liés à la COVID. La grande question, c'est de savoir l'opportunité de cette sortie médiatique. Est-ce une sortie ratée? On essaiera d'expliquer, on essaiera de donner notre point de vue. Je rappelle que vous allez évangile et d'avoir un point de vue, obligé de vous mettre dans la situation, dans le temps, dans le moment et le modèle. Donc, tout ça, on a deux grands sujets pour le premier numéro de Nabisso et l'émission de Nabisso et Alélo. Je rappelle que Makambo le Kana Kivu, visiblement, bon, je ne sais pas faire les qualificatifs, donner des qualificatifs, qui pense qu'il faut pas Kabola Kivu. Qui pense qu'il faut qu'on découpe, qu'on démembre, qui vous, Binomo Boga Kiango, un peu qu'on discute sur la Lissolo, mais vous allez dans la deuxième partie. Deuxième partie, tu le appelé sous le combat UDPS na UNC. Boyoki que UNC a prête, il y a un siège, il y a un fauteuil, il y a un premier vice-président. Mais il y a vraiment un nani siège. Il y a un accord, il y a FCC cash, il y a réellement un nani siège. Poste wana, fonction et anani. On va en parler dans la deuxième partie et Monsieur Nabisso, où vous allez diffuser à 15h, heure de Kinshasa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois de plus, Mbotenabino. L'UNC exige la lumière sur les morts à la présidence, au-delà des rumeurs, les modérateurs. La dépêche. Arish Djaktani achète le parking du Grand Hôtel à 18 millions de dollars. Moi, avec les zéros et les chiffres, on s'entend pas beaucoup, en tout cas. Fatshi charge Tunda de défendre les intérêts du pays. Dossier Exibank China et DGIOL. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, Mbote. Lelo, Tolamouki na Tongo, et Sengele na Bissoto Tala, Likambo et Tali, juge. Juge Akoufi, na République démocratique du Congo, Nakati affaire ya monene ou ezalaki affaire ya Yena Kamere. Juge à Koufi. Juge ya affaire ya Kamere, Djamal et consort, ezalaki bateau yo bazaki concerné na makambo Itali 100 jours. Makambo Itali 100 jours, ezalaki makambo ya misolo ya mbongo à l'État ebele. Où il fallait la déverser dans l'État, disons, il fallait la moussale à l'État. Mais moussale à l'État, c'est le mec qui m'a la moumingité selon ma accusation. Alors, la justice est venue qu'on instruit le dossier, mais au milieu, il y a un dossier. Je vais même dire au début, il y a un procès. Deux procès ont suffi pour que juge Joana Akoufa. Juge Joana, il y a un bon signe, il y a un bon signe, il y a un avenir, peut-être qu'il y a comme un président en cours, qui sait. Peut-être qu'il y a comme un lobby, il y a comme un gravir, l'échelon, je veux dire, dans l'appareil judiciaire. Mais Motomoko a décidé, à Katavinae. Ce que tu as dit, c'est que analyse. Tu vas comprendre, Boué. Juge à Koufi, est-ce que Zaki n'a pas antécédent médicaux? Seule sa famille peut nous dire, ou son bulletin médical peut nous en dire un peu plus. Mais tout ce qui est vrai, c'est que monsieur Zaki Kossam Bissa Bato, il avait l'air posé, l'air serein, et qui l'air de ne pas être malade. Balobi qui est un poison. Tant que Bassali va rechercher, va se rendre de ma étude, de l'analyse. Ben, qu'on se rende compte que c'est un poison, mais sans définir exactement substance ou ebomaki. Il ne faut pas que tu aies des moussika parce que tu aies battu substance en gueule ni n'a pas tu aies pas retracé en gueule. Parce que le système, il y a beaucoup de cannabis, c'est un système informatisé. Dans le cas de Moussoussou, ce qui est un petit mot de poison, c'est que la substance ou un et un nini. Ce qui va définir que c'est une substance boye, il y a qui si boye, c'est que tu as là. Na système ya mboka bayebi que kisio ezali défi ezali de ba pharmacie hotel tel ba ko kenesu ko tala na ba vente ya ba pharmacie wana ba tala banani ba teka ki produit wana na moment moko quelconque et ba ko sala ba analyse beaucoup plus avancée pour na koyeba
Si qu'on détermine, nanya teka ki et banaki ningenini. Ça, ils peuvent le faire sur d'autres cieux, plaçons électroniques et va moi évoluer. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on ne sait pas. Tant que nous sommes à la pharmacie, nous avons un peu de azate. Et puis, qui sait ce qui est la pharmacie ou qui est la bokoko. Donc, toutes ces choses, elles ont la question et doivent permettre à Toba de nous cicater dans le dossier. Mais est-il que le juge est mort? Maintenant, la grande question, à qui profite le crime? Première chose, il faudrait que Toba comprenne un élément important. C'est que dans une affaire, il y a justice. Lorsqu'on abat un juge ou on abat un membre de la composition, et de la gaga forcément, parce que le criminel est yébi que, et qu'on profite de la bangote. Parce que tout le monde a un sensé. Ou a un yébi, a yébi que tuer un juge, ce n'est rien faire. Sauf que le juge, il y aura une réouverture de débat. Mais on a un début, on va faire la lecture de la PV, et puis on va continuer l'affaire là où elle s'est arrêtée. Donc il n'y a vraiment pas un problème sur la question. Mouto a bomi. Juge, il y a des gens qui ont profité directement. Je vais donner des cas de figure. Il y a des gens qui ont profité directement parce que l'affaire est continuée. Au bon milieu, juge, au bon milieu, affaire, la procédure va continuer. Mais le problème est dans le niveau nini, dans le deuxième volet. Quand on abat un juge, il y a un message qui va envoyer à la compère Nyoso. Il y a un message qui va envoyer à la Otu Batikali pour leur dire vous finirez comme lui. Il y a un moment dans le pays Moussoussou. Il y a des affaires où le juge va boire à cause. Donc, a eu une affaire, on a fait déporter. A eu une affaire, on a fait déporter. A eu une affaire, on a favorisé, on a récusé. Parce que tout le monde a question, on a continué, on a au couf. Il y a des affaires qu'on n'ouvre pas. Il y a des endroits où on ne peut pas toucher parce que Babi qui est dans la sensibilité est belée. Donc, du coup, quand vous arrivez sur ce terrain-là, on vous abat. Donc, il y a un message. Ça peut constituer, le coup, moi, une sorte de menace. Il y a un juge, dossier. Et plus vous refusez aussi ma dossier, jusqu'à un moment donné, au moment que vous soyez organisé, vous accorder ma liberté provisoire ou déclarer fin à poursuite, il y a tout le monde quelconque, parce que finalement, personne ne veut prendre le dossier. Deuxième hypothèse, Zali, Bakoki Koya, travailler, juge Moussous. C'est toujours possible. Balouki, juge Moussous. Fouti, Bangombong. Acheter Bango. Balouki, composition Moussous Basal. Qu'est-ce qui va se passer? Bakoya koboma juge ou azana kata dossier. Parce que babi que réouverture de débat ekosalema. Motomoko président en cour a nommé composition. Or, ceux qui présentent en cour a corrompu, a nommé une autre composition. Alors obligé à bandelaka dans composition, on a peut changer une autre composition. Tout est possible, a ko changer, tout comme on continue na baouana. Donc on peut acheter le moins dur pour que bana le plus dur. C'est toujours possible. Mais ça hypothèse na hypothèse. Une autre hypothèse peut à la raque. Parmi Nakata composition, les juges ne sont pas toujours d'accord sur la manière de conduire le débat. Ils sont toujours d'accord. Il y a peut-être sur trois, deux sont contre et un estime qu'il faut qu'il y ait une bongo. Mais si le malheur trouve que le seul à être à s'opposer, peut-être qu'il veut la justice, hein, qu'il veut qu'il y ait une bongo, il faut qu'il y ait une bongo. Si c'est lui qui semble être le frein dans la procédure, il y a la mafia. Les deux autres peuvent le sacrifier. Babité, ils ont le moto éliminé pour commencer à buter Togomata. Et là, hypothèse. Ça veut dire que tous les cas de figure doivent en principe être élucidés. Vous tanguez, vous comprendre, vous dites, bon, ok, on est peut-être dans telle phase ou dans telle autre phase. Mais en réalité, ils ont la bongo. Donc, quand un juge meurt dans une affaire, ce n'est pas une affaire sérieuse, ce n'est pas une affaire normale, ce n'est pas surtout une affaire sérieuse. Même en Europe ou aux États-Unis, ça envoie un mauvais signal. Et peut-être un mauvais signal. Et peut-être un signal à désespoir. Pour la plupart des cas, désespoir. Parce qu'on estime que le juge, il était serein. Ce qui a accueilli, comment ça va se passer. Et regardez le danger qu'il y a. Au moins, il y a un exemple. Il y a un exemple. Mais je vous le dis vraiment sans confirmer quoi que ce soit. Au moins, ceux qui bandeko baza ba accusé, ceux qui basa les procédures et qui ba libéré bango, libération na bango ikozala conditionné, libération na bango ikozala na manque à légitimité, libération na bango ikozala encore une fois sujet à ba débat. Les gens vont dire au moins, ceux qui jugent à zaki liboso bango ba condamné, n'engue ba libéré bango baza pour bouma qui juge on a. Donc juge on a koufi pour ba libéré bango. Donc ça peut partir dans tout ça. Peut-être que ça n'a rien goûté. Peut-être que mais le col, malheureusement, juge à Koufi a influencé suite à dossier Nyon Sotikali. Tout est comme il m'a dit, et que vous avez la caca le lingue moko. Ceux qui juge à condamner, juge,
pardon, bah condamné, bah présumé, hein, au bazar accusé. Ceux qui va condamner Bango, les gens vont dire au moni, va condamner Bango parce que il fallait qu'il va condamner Bango. En fait, tu vas condamner Bango, il va coûter moins bien. Les gens vont dire bon, ok, bon, c'est normal. Mais ceux qui va libérer Bango, d'autres voix vont se lever pour dire au moni, pour bah yebaki que juge Wana a condamné Bango, on a pas bomaki. Il fallait battre un juge Moussoussoya pour ne pas libérer Bango. Ce qui fait que le juge avait qu'on jouer rôle, qu'on nommer Fiko, il va jouer sur sa carrière malheureusement. Le risque que le pauvre aura, c'est le risque d'avoir toute la charge sur lui. Et du coup, à quoi on est obligé, soit à condamner, de peur que va combattre traité le coup la mouta qui pourra qu'on libérer, soit à ça là et le coup moi on a peut-être contre volonté naïe. Mais malheureusement, pour naïe, et fait que la loi peut ne pas être d'accord. Ça veut dire les faits peuvent ne pas être aussi accablants que ça. Bon, quand on a la justice, mais ok, toi là, tout va accusé, on a, innocent, va libérer Bango. Mais imaginez qu'il va libérer Bango. Les Congolais vont dire quoi? Ah, bon, maga juge, on a, pour le Banga va libérer Bango. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne affaire. Ça ne donne pas un bon signe, Nakatia Makambo. Mais qu'est-ce que nous demandons maintenant? Nous, ce que nous demandons, c'est que la justice, c'est la moussala Nango. Ah, tu te rends compte que c'est un poison. Si tu as analysé, bah fait moussoussou. Est-ce que la justice va analyser le fait tel que dans la vidéo Ezali? Bon, moni bino moko na katia vidéo, la voix du juge était audible. Voix naïe de la qui est audible. Kole quand même vous avoir avocat à Sengaki, juge le la masque. Un élément. Un deuxième élément. Le masque, il y a juge. Il y a qui masque à Okangazo le temps. Il y a qui masque avec Obumba Kaka et Longine, Obumba et Longibo. Donc la voix pouvait s'échapper librement pour qu'on ait un micro. Parce que c'est là qui masque ya boué. Alors, je n'ai pas compris pourquoi Bazo obligé juge à l'ongola masque à boué pour qu'à tchao à boué. Le juge à l'ongoli masque pour qu'à cache-né. Donc, c'est là où il y a un problème à niveau. Hein. Mais si on peut vraiment analyser le fait, au moment que Makamboutou est comme ma superstition, pour ceux qui. Un effet à Mabé Koti. Un fait à Mabé, pardon, et Koti. Dans un cas normal, les Aranango, dans un tribunal, le juge peut demander de l'eau. À Sengrapé Maï, non? Donnez-moi de l'eau. Ben, il y a qui Maï. Mais ça ne pose pas un problème. Mais le problème, comme il fait que mon petit juge, vert n'a pas été malamouté, le mot là vert, ouana, parce que tout le monde a reflet, il a été mis sur le mot. Va changer le vert. Et bien, il y a vert au tousser une fois. À la minute, il y a vert au tousser. Or, que tousser, il a fait mon corps physiologique. C'est normal. Il a une réaction mon corps physiologique. Il a normal. Attends, il a fait un cache-né, à un moment donné, il a toussé. Mais le col à l'IOA est coté dans ma cambouana. Nous sommes dans le col la suspicion. Et comme il y a le col la vraie. La juge a toussé quand après avoir coaché masque coaché cache alors qu'il y a qui n'a masque n'a voix de la qui n'a audible mais pourquoi l'obliger à colongola gant et colongola masque pour le repas c'est cache né au moment comme compliqué c'est vraiment compliqué alors que le ministère public lui qui parlait aussi avec la qui derrière coutume à remonter le comoco n'a cache né la voix du juge était moins audible que n'a masque la voix du juge a été d'ailleurs étouffée n'a cache né que le masque. Tant qu'on a dit masque, il n'y avait pas de problème. Mais tant qu'on a dit cache-nez, sa voix est comme étouffée. Alors je me pose la question, est-ce qu'il y a un problème linéaire en réalité? Est-ce qu'il y a un problème linéaire en réalité? Parce que l'avocat qui lui parlait n'avait pas de masque avec une casque éteinte. Il y a un loba, librement, la casque éteinte. Mais voix n'a pas d'audibilité par rapport à la voix et avec une masque. Pourquoi ne pas continuer la logique voilà? Ça veut dire que ceux qui ont dit qu'on analysait ma cambouana est comme un moi compliqué. Mais ici, au stade où on en est, il y a possibilité, il y a rationnelité, il y a justeté, il y a quoi accuser que non, il y a telle personne ou telle autre personne. Ici, on est encore au niveau préliminaire, il y a étude. Qu'on étudie, il y a fait. Parce que toutes ces choses vont être étudiées dans le dossier. Bon, tant que vous avez dit que propos, je vais mettre le feu. Et vous allez terrible, vous n'allez pas vous échapper, blablabla, bla bla, tout ça. Vous vous rappelez, dans le bac une autre fois, j'avais dit ceci. Le silence du coupable est très important. Le silence, pardon, est prévenu. Pas coupable, parce que jusque-là, il n'y a pas encore de coupable. Silence est prévenu est très important. Dans le bac qui, dans le sengaki, dans l'avocat, il y a M. Kamere. Bon, pekisaye à l'obamingi. Évitez-lui de beaucoup parler, parce qu'il y a des moments de propos à retenir et au cas bien t'es. Nous sommes au pénal, on n'est pas au civil. Nous sommes au pénal, les propos comptent. Au civil, ma pièce me contacte. Mais la pénalité, la pénal, ma propos peut contacter. Au col, le bélo, comme il est compliqué. Et comme il est très compliqué. Or,
quand on est en justice, on est devant le juge, on s'abstient de faire des commentaires, on s'abstient de certains verbes, de certaines attitudes. On va dire vidéo, moi, monsieur Kamer a signalé masque. Non, mes frères, et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est normal que Nazo Kabien te pose un masque. Et c'est normal. Mais le col, il y a un fait, un cas de mort, et commis ma complication, belé. Donc, il est très important d'analyser le fait. Il est très important, nabato bazo lingaba dans la avocat, ba éviter bato na bango, ba également moussou sous un mot d'importance. Ba propos moussou. Je veux mettre le feu, et quelques temps après, il y a un feu qui brûle quelque part. Les gens vont toujours te coller des choses, Nicolas Malobanayo. C'est par la langue que l'on périt. C'est par la langue que l'on guérit. Il y a des choses où il faut éviter Koloba, parce qu'on ne sait jamais. Voilà pourquoi le prévenu est appelé à garder silence. Bah avocat bah le belayé, bah avocat bah le baba samba. Mais il y a beaucoup à répondre à la question. Monsieur, vous êtes telle personne? Oui. Quel est le rôle que vous avez joué dans Katia Makambouana? Mouta Tomboki. Non, on ne peut pas se fâcher quand on te pose la question du rôle. Donc, déjà, je crois le 3 juin à son ami Cosité, il y aura encore la réouverture. Il y a un débat. Et vous allez en dire. To sengi na bavoka ya monsieur Kamere. Bon éviter monsieur Kamere à sa la déclaration. Bon éviter yé le kouana. On est au pénal, on n'est pas dans un tribunal politique. Ce qui monsieur Kamere a commis qu'on répondra là, oh, je prends l'opinion à témoin, je prends ceci à témoin. Et d'abord égarément. Et d'abord égarément. Qui c'est ce qui le juge au kouana, vous allez beaucoup plus sévère. Au moment où on va discuter et que le ministère public, ton juge, a acté ma propos et a prévenu Nabino, et comment compliqué, hein? Le jour où vous allez finir le débat, vous réouvrez un autre débat. Et comme il est très compliqué. Voilà pourquoi je demande aux avocats de M. Kamere de dire aux prévenus de se taire un peu, de se taire, de ne répondre qu'aux questions et de se limiter là. Le prévenu ne peut pas faire des observations au tribunal. Il est très dangereux pour un prévenu de faire des observations au tribunal. Et ça, Ramala Mouté. Oh non, on doit comprendre, il fallait bon sepela ka, bon silika, il fallait bon sepela. Ce n'est pas au prévenu de faire la leçon au tribunal ou de faire la leçon à l'avocat. Et ça prévenu, ce n'est pas au prévenu. Ça s'appelle de l'arrogance, de la suffisance qui joue contre vous. Le système, on a un système américain. Ce que tu as dit dans le système américain, ma membre à jury, croyez-moi sur parole, le jury allait prononcer déjà une sentence contre. C'est-à-dire, on appelle sa position là. Contre ma prévenu. Parce que lorsqu'un membre de la composition meurt, la question est simple, la résolution est simple, et là, ma prévenu, n'est pas tenté na liwa na la vie, il y a membre de composition. En fait, c'est comme ça, de façon à ramasser. Mais comme il n'y a pas toujours de preuves, il faut toujours prendre des distances et prendre beaucoup de distances. Voilà un peu mon point de vue sur la question du juge. Nous demandons avec notre dernière énergie, que la lumière soit faite dans le dossier et à juge. Impliquez la famille du juge dans le dossier. Mettez les juges en sécurité et les avocats en sécurité. Vous avez appris un autre juge est décédé. C'est vrai qu'on dit qu'il n'était pas dans les affaires il y a Makambouana, il y a 100 jours. Mais il est important. J'apprends encore que Mouton Zalaki n'a qu'un résultat et autopsie. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais il aurait des petits soucis. Bon, on ne sait pas. Tout nous connaissons maintenant en vérité à Makambango. Mais il est temps. Mesdames et messieurs, nous avons ouvert un autre espace Yamabe. Un très mauvais moment. L'air Yamabe est côté dans le Congo. Air et empoisonnement à grande échelle. Et comme Siko Yamabe, ça devient très dangereux. Et comme il est très dangereux, le fait qu'on empoisonne à Kabato. Et comme Siko Penza Mabe, il faudrait que Bato, Batelema, Bato, Balamouka, pour la modèle. Le poison peut être diagnostiqué. Le poison peut être. Tu peux remédier le problème à poison là, bien facilement. Ce qui te l'ingue, tout ça, il est très important pour que de la bongo. Il faut maintenant mettre centre et check-up pour de la moue belle. Travaillons avec nos services traditionnels. On trouve un moyen, on trouve des remèdes pour la prévention, pour le curatif. Ça va nous aider à nous épargner dans ma cambo belle. Un autre élément important, et la sortie médiatique, il y a monsieur le porte-parole, il y a président de la République. Les 10 minutes qui vont rester, je vais vous expliquer les Kambouana. Ici, d'abord, avant de commencer, je réitère tout le respect que j'ai pour les porte-parole du président et pour toute cette équipe. Madame Tina Salama, pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, elle ne me connaît pas. Je ne sais pas si elle connaît mon existence, mais moi, je sais parce que. Je veux dire que
J'ai suivi la radio Okapi depuis que j'étais petit. C'était ma meilleure radio. De toute façon, quand on vit dans les provinces, c'est la meilleure des radios que l'on suit. Une radio que l'on suit. Et par là, je pense à tous les autres. Hein. Je pense à ma grande sœur Mimi Ngumba. Je pense à Madame Ebalé. Je pense à toutes ces personnes qui nous ont façonnés un peu dans notre enfance quand on grandissait. Il y a Madimba, Dona Madimba. Donc, ils sont nombreux en tout cas. Donc, Madame Ebalé, Bato Bané, ça dans la radio Kapi. Autant qu'on a plaisir. Et on a Rabango. Bamkouté, Kéline Kouté, Alain Rung. Et tout, ils sont nombreux. Hein. Des gens que je vous cite là, je ne les connais pas physiquement. Naibi Kaka, Dona Madimba, avec qui je parle très bien, c'est un aîné que je respecte beaucoup. Et puis, Kalamba Ipe Naibi est très bien. Donc, ce sont des frères. On discute, on parle, ainsi de suite, hein, c'est souvent. Mais la radio Kapi reste une radio pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, mais il y a un élément important à signaler. C'est que nous sommes en temps de crise, même si on ne veut pas le dire. C'est une crise sanitaire, mais une crise qui frappe la présidence. Parce que, on va dire que depuis que la gouvernance à Fatshi est bannie, il y a eu beaucoup plus de morts de la présidence que dans n'importe quel autre cabinet de la République. Ce qui doit plutôt comparer entrée à Fatshi dans le pouvoir, n'a entrée à Laurent Désiré Kabila dans le pouvoir, n'a entrée à Joseph Kabila dans le pouvoir, n'a entrée à Mobutu dans le pouvoir, il n'y a jamais eu autant de morts en 15 mois, le quoi dans la période haute. Dire que tous ces gens, COVID, je pense que c'est trop simpliste. Je pense vraiment que c'est trop simpliste. Et moi, je pense que le porte-parole, j'estime que le porte-parole n'aurait pas dû qu'on soit posture ou en suivant le porte-parole, on a senti que le porte-parole ne nous a pas donné l'impression d'avoir la mesure de Yamakambouana, la portée Yamakambouana. Monsieur le porte-parole, il faut que rappeler que les gens qui meurent en la présidence sont des pères des familles. Les gens qui meurent en la présidence ont laissé des veuves. Ils ont laissé des orphelins. Alors, dire tout simplement, aussi facilement que tout va couffiner en Covid, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça peut paraître. Je ne veux pas utiliser les mots oh, il faut un go, mais ça peut paraître simple et simpliste. Et ce n'est vraiment pas une très bonne chose. Par contre, la bonne posture aurait été celle d'expliquer cas par cas et d'abord de commencer par présenter profondément vos condoléances. Parce que ça ne peut pas être normal que Batmakoufa est belé dans le modèle. Et dire que Batmakoufa a Covid, tout le monde sait que ça est un go penzate. Et il y a maintenant une histoire, maintenant là vous avez créé un précédent. Ce que vous avez créé dans Mitouya Bato, et là on dirait une sorte de refus d'informer. Les gens se disent, ah c'est que on aurait pu, moi je crois, que c'était même pas, et n'est même pas Binou. Et n'est même pas porte-parole Naloba. Ça devait être le président lui-même. La communication a fait rater au président deux grands événements, importants en politique. Importants en politique. Un juge qui décède dans une affaire aussi importante comme ça, c'est le président qui fait une déclaration dans une vidéo immédiatement. C'est le président qui le fait. Le président est le magistrat suprême. C'est le symbole de notre justice. Les jugements sont rendus, les arrêts sont rendus. On ne peut pas comprendre ça comme ça. Et le président ne pouvait pas arrêter ça. Non, il ne pouvait pas. Le président a raté une belle occasion de s'exprimer. Il aurait dû s'exprimer. Mais vous savez, ce n'est pas trop tard. Et là, trop tard. Je demande au président de la République de prendre part au deuil. Il y a juge Joana du début jusqu'à la fin. Et le président devrait s'exprimer. Je propose que le juge balekanaï directement na enterrement. Balekanaï na église, na chapelle, que le président fasse une déclaration. Ce juge mérite, pour un symbole, il y a attachement, il y a pouvoir, na biso, mérite des obsèques dignes, exceptionnelles. C'est un juge. Ce n'est pas un petit monsieur. C'est un juge mort dans le combat. Le président devrait organiser le deuil. Na compte, il y a un public et le président fait un discours pour donner son point de vue. Pour le relaxer, attachement na ba juge. Si le président ne le fait pas, il aura manqué une occasion. Deuxième chose au président a attaqué. C'est lorsque une famille a été décimée, na limité. Le président
aurait fait mieux. Il y a qu'on se rendre à la vie. Ça dit quand on liwa et c'est des contacts qui n'a pas le président devrait être là n'a débris wana. Après bien évidemment que la police ça la musala na yango, le président aurait descendu sur terrain pour quoi apprécier ka et pour encore réconforter ma famille wana. Ça allait être très important. Ça allait être un signal mon corps très fort pour le rôle qui ça comment il est proche de la société. Mais ce qui bat tout monde capable. Et on va faire comprendre que le président devrait faire ça, et que c'est moins compliqué. Ce sont deux belles occasions. Vous voyez vraiment une maison brûlée, dans un modèle loin dans les États-Unis, et le président n'en parle pas. Ou il n'y a aucun communiqué officiel. À défaut du président, le gouverneur devrait se rendre sur place. Devrait se rendre sur place. Attention, c'est une famille qui est décédée. Le gouverneur aurait pu défendre, mais on n'était pas un juge. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Le ministre de la Justice pourrait le faire. Ça montre comment peuple, comment bateau, bateau, kamba, bazan attachement dans peuple, dans peuple, dans bango, dans mboka, dans bango. Mais quand on ne le fait pas, ils ont comme très compliqué. Donc, moi, à mon avis, monsieur le porte-parole n'aurait pas fait cette déclaration-là. Je n'ai pas vu l'opportunité, il y a sorti médiatique ou non, il y a moins l'opportunité d'un côté. Ce qui est là qui peut encore arrêter rumeur, au contraire, vous avez créé une autre rumeur. C'était, donc, c'était une sortie, à mon avis, ratée. Quand je dis une sortie ratée, cela n'offense pas les compétences de monsieur le porte-parole. Non, monsieur le porte-parole a des compétences que tout le monde connaît. C'est quelqu'un qui a fait un métier noble. C'est un modèle pour nous qui venons après. C'est un modèle. Mais est-il que, dans le domaine Oyo, en tout cas monsieur Kasongo, aurait pu se retenir ou revenir en force. En politique, lorsque vous subissez des coups, on joue à la victimisation. C'est très important. Parce qu'il faut savoir que tous les coups sont politiques. En politique, tous les coups sont politiques. Les plus grands politiciens, les plus grands laboratoires en politique savent transformer tous les événements, heureux ou malheureux, en faveur de leur candidat ou en faveur de leur produit, de leur projet. Malheureusement, la mort du juge n'apportera aucune cote politique au président de la République. La mort de cette famille Utuko n'apportera pas de point politique à Fatshi. Et c'est resté comme ça des événements qui ne vont pas lui profiter. Pourtant, si on a un laboratoire, on réfléchit, on dit non, non, on peut gagner beaucoup plus de points ici, beaucoup plus de points là-bas. Les gens disent que c'est sadique, ce n'est pas sadique, c'est ça la politique. Où on est dans la, où on fait la politique, où on fait autre chose. La politique, c'est comme ça, en fait. C'est gagner la confiance des gens. C'est rassurer les gens qu'on est avec vous, qu'on peut être avec vous, que le président peut arrêter tout ce qu'il fait pour venir voir une maison qui brûle, que le président peut arrêter tout son agenda pour venir à côté d'un monsieur qui est décédé et de sa veuve. On aurait vu le président recevoir la maman, la veuve. Je demande que le président reçoive la veuve chez lui. Que le président reçoive les familles, il y a deux pères, il y a ma famille, ma Koufiwana, et le représentant de la famille Nabango, Ebani. Le professeur Njoli est professeur ya Congo. Ya Mboka na biso. Celle qui est morte, c'est sa petite sœur, sa nièce et son petit-fils. Le père de la personne qui est décédée, c'est un ancien colonel qui a servi le drapeau, le colonel Utuko. Donc je ne vois pas pourquoi le président ne ferait pas ça. Pourquoi le président n'appellerait pas ces deux personnes? Monsieur Njoli représenter la famille Naye, monsieur Utuko représentait la famille Naye, pour que le président réconforte Bango, pour leur dire, monsieur le président, monsieur papa Utuko, papa Njoli, le pays entier vous présente ses condoléances le plus attristé. C'est difficile de perdre aussi nos gens, et vous le faites pour deux, trois, ça ne peut pas prendre 10-15 minutes, mais au moins le message que ça lance à la population, c'est que, oh, mais en tout cas Fatshi est humain, Fatshi est humain. C'est normal. Le président Boko Okiko rattrapé Ango Sikoyo. C'est très important. Rattraper Ango Sikoyo. Ce n'est pas encore trop tard. Rattraper. Vous pouvez vous rattraper. C'est ça le rôle d'un laboratoire. C'est ça le rôle des gens qui réfléchissent aux côtés du président. Monsieur Kasongo, je vous demande une chose. Revenez sur vos déclarations. C'est pour ça là, une autre communication des crises. Faites une très bonne communication de crise. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Si j'avais vos coordonnées, je vous aurais appelé pour vous présenter ce que moi j'estime comme plan. Je l'aurais fait, mais malheureusement, je n'ai pas vos coordonnées. Je vous aurais appelé et
Dans la proposition de Bilokwana, vous êtes beaucoup plus intelligent que moi, beaucoup plus compétent que moi, beaucoup plus expérimenté que moi. Vous avez l'expérience, Yakulikanga. Donc, tout ce que je vous dirai, bon, comme ils sont propres, au comme ils sont bien. Je suis très convaincu. Je vous réitère mes respects, je vous réitère toute ma confiance et je suis convaincu que personne ne peut douter de votre boulot. Vous le faites tellement bien. Je vous aurais, si j'étais président, je vous aurais, moi, placé au place Moussous. Pourquoi pas à la RTNC? Vous ferez mieux d'ailleurs là-bas. Et Madame Tina aussi, pourquoi pas? Vous ferez mieux. Merci à vous tous. Et mais on demande aussi, Madame Tina Salama, est-ce que vous pouvez nous envoyer encore le docteur Jérôme ici, s'il vous plaît? On a besoin de lui. Il y a beaucoup de rumeurs hein, sur la question. Donc on a besoin du docteur Jérôme pour que à éclairer sur votre opinion. C'est très important. Il y a beaucoup de choses. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout.